vous explique la suite. Si vous avez remarqué, je vous ai pas dit bonjour à vous et j'ai pas dit bonjour non plus aux deux personnes que j'ai croisées. Je suis sur une balade là autour d'un lac, le chemin est étroit et c'était juste pour vous montrer comme ça. Je peux choisir à ce moment-là d'être simplement dans ma bulle et décider de ne pas dire bonjour aux gens que je connais pas ou à qui j'ai pas envie d'être en lien. C'est pas un acte de rébellion, c'est pas un message que je veux passer aux gens, c'est juste qu'à ce moment-là, peut-être que le fait de dire bonjour, ça va pas être quelque chose qui va me nourrir, ça va pas être mon énergie à moi, et donc je vais décider juste de rester en moi, tout simplement. L'exercice que je vous ai proposé hier, c'est un petit peu ça. Je ne sais pas si vous avez décidé un petit peu, si vous vous êtes dit « Ah oui, tiens, la prochaine fois, je vais croiser cette personne-là, je ne vais pas lui dire bonjour pour voir ce que ça fait. » Ce qui est important, en premier lieu, c'est de... Comment dire ça? De ne pas s'imaginer, de ne pas penser, de ne pas s'accrocher aux conséquences potentielles qu'on peut imaginer. Parce que tout ce qu'on imagine, c'est une projection de nous, de qui on est, avec qui on est, de comment on s'est construit, et c'est quelque chose qu'on s'imagine qui va se passer. Et c'est peut-être pas la vérité, c'est surtout ça qui est important. La deuxième chose, c'est que cet acte-là, il est important qu'il soit dans le... vraiment dans quelque chose interne. Comment dire ça autrement ? Si je me dis, je vais arrêter de dire bonjour à cette personne pour lui faire comprendre que, boum, là on est en externe. Et là on n'est plus dans le juste. Parce que peut-être que la personne, elle ne va pas comprendre. Peut-être qu'elle, elle va interpréter complètement autre chose que ce que nous on est en train de vivre. Mais ça ne nous appartient pas, ça lui appartient à elle. Par contre, ce que nous, on va imaginer qu'elle va vivre par cette action, qu'on ne va pas lui dire bonjour, ça, ça nous appartient à nous, ça ne lui appartient pas à elle, c'est notre projection. Alors, l'exercice, il est vraiment là. Il est de décider de ne pas dire bonjour, non pas pour passer un message, mais pour nous, pour rester dans mon énergie. C'est vraiment ça la chose qui est importante. Si je dis bonjour à une personne, je donne de l'énergie à cette personne, je donne de l'énergie, pas à cette personne, mais en tout cas à une relation. Et je peux décider que cette relation-là, cette énergie que je donne, elle va rien m'apporter, voire même elle va me coûter. Et alors c'est à ce moment-là que je vais décider de ne plus dire bonjour. C'est pour ne pas que moi, ça me coûte. Tout simplement. C'est fort possible que... on a l'habitude de fonctionner comme ça, qu'on rentre dans une projection et que tout d'un coup on s'observe en se disant « Ah non, je suis rentré dans la projection ». C'est ok. C'est ok et surtout, faut pas se juger, faut juste se dire « Tiens, je suis rentré dans la projection ». Ok, c'est tout. Mais revenir au fait que l'acte de ne pas avoir dit bonjour à ce moment-là, il était, l'importance était que moi je reste dans mon énergie, que je ne distribue pas mon énergie à un endroit où je n'ai pas envie de le distribuer. La personne en face, ce n'est pas notre problème. Ça n'a rien à voir. Les conséquences, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas notre problème. C'est après. Peut-être qu'il n'en aura pas. Et en tout cas, elles ne seront sûrement pas celles qu'on imagine. Voilà, le petit message du jour. N'hésitez pas à me dire autre chose par rapport à ça. Je sais que c'est difficile parfois parce que c'est écrire des commentaires, c'est aussi s'afficher. Ça peut faire partie de l'exercice aussi. Si vous essayez ça, de mettre un commentaire, de dire « Tiens, j'ai vécu ça, j'ai vécu un truc. » Jamais vous écrirez quelque chose de faux tant que vous parlez de vous. Jamais ça sera faux, jamais ça sera ridicule, jamais ça sera à côté. Alors si vous avez envie d'essayer l'exercice, ça fait s'exposer, mais vous pouvez l'essayer. Et encore une fois, les conséquences, elles seront sûrement pas celles que vous imaginez. Allez, sur ce, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Ciao !